La perception de ce mal relève d'un instinct de conservation qui me fait identifier quelque chose comme mauvais pour moi. La seconde acception relève du collectif. Elle est de l'ordre de la morale. Les animaux tuent pour manger, mais aussi par instinct, parce que c'est leur nature. Pour eux, il n'y a pas de connotation morale. Dans la nature, il n'existe ni bien ni mal. En revanche, l'homme a besoin d'une morale pour faire société. Permettant de distinguer le bien du mal, elle est le ciment du groupe et en partie ce qui le définit.